Chers membres et vous tous ici rassemblés, nous sommes à nouveau très heureux de vous retrouver dans le cadre de la foire de Bâtisse. De cet événement, c'est de montrer aux gens l'agriculture, le travail des agriculteurs ici dans la région, et surtout aux enfants, parce que les enfants n'ont pas tout à fait l'idée de ce que c'est l'agriculture. Dans ce cadre-ci, il y a beaucoup d'activités, donc les enfants sont proches des animaux, peuvent aller les toucher, et dans chacun des stands, les stands sont tenus par des fédérations, et les membres de ces fédérations-là expliquent spécialement aux enfants l'animal, la relation avec l'animal, ce qui est extrêmement important. Dit vennootenvoordeel is een totaalpakket eigenlijk. Je komt toe, je hebt privéparking, een beetje daarna heb je dan de receptie. En dan voor de kinderen is het weer een totaalpakket dat een goed beeld geeft over wat de landbouw heeft. Zowel de machines, de veeteelt, de graanteelt enzovoort. Nous sommes venus aujourd'hui ici à la foire agricole de Bâtisse parce que c'est une foire très orientée vers les enfants. Il y a de nombreux jeux gratuits pour eux. Ils peuvent découvrir ainsi les animaux. Je trouve que sera une ouverture vraiment sur le monde sociétal et que c'est important dès à présent pour les enfants qu'ils puissent ainsi s'investir utilement au niveau sociétal. Et ça, grâce à CERAM. Waarom is men CERA vennoot? Men heeft natuurlijk ergens het financiële voordeel, maar ik denk dat men eerder bij CERA gaat voor datgene waar CERA voor staat. Ja. Een stukje opvoeding, jeugd, sociale armoedebestrijding, hulp aan het plattelandsleven, dat een deel van de waarde van CERA vertegenwoordigt. La relation avec la coopérative CERA, je crois qu'elle entre tout à fait dans l'optique de CERA, puisque cette foire-ci est organisée par des agriculteurs bénévoles. Le comité est composé de 20 personnes qui sont tous des agriculteurs. Et à certains jours, il y a 70 à 80 agriculteurs donc, qui abandonnent leur ferme une journée pour venir travailler à la foire. Et tout ça rentre tout à fait dans le cadre de CERA, qui insiste aussi sur le travail des bénévoles et des volontaires.